bienvenue à la semaine 4 de votre bikini. Donc la semaine 4, comme je vous l'avais prédit, ça va être un tout petit peu plus difficile. Et on va commencer avec mon exercice préféré, qui est le squat. Donc on va en faire 60. Oui, vous m'avez entendu, 60. On garde les pieds en parallèle, les jambes en parallèle. On descend et on remonte. Donc quand vous descendez, quand vous remontez, vous contractez les fessiers également. Allez, c'est parti. On contracte, on contracte, c'est bien. Naturellement, je travaille la ceinture abdominale, toujours. C'est beaucoup de squats aujourd'hui, je sais. Mais c'est en fait ce qu'il vous faut pour le bikini. Vous croyez pas? Vous croyez que ça arrive tout seul, un bikini? 10 de plus de ce côté. Ensuite, je tournerai. Good. Et on tourne. 30 encore. On est parti. Donc alors, vous avez réservé vos vacances, vous partez où? Vous avez acheté votre bikini, il est de quelle couleur? Moi, le mien, il est jaune, vous savez. C'est quoi votre couleur préférée? Dites-moi. Je veux tout savoir. Allez, on contracte, contracte, contracte. C'est parti. Allez, on garde bien les genoux en parallèle. Les pieds en parallèle. On inspire, on expire. Ouh. 10 de plus. Ouh. Ah, je le sens, moi. Vous le sentez? Oh, c'est bon. Si vous voulez descendre davantage, vous pouvez aussi. Allez, encore deux. Un, le dernier. Et on remonte. Très bien. Votre deuxième exercice, on va écarter les jambes. On va légèrement mettre les pieds sur les côtés. Pareil, un squat. On descend, on remonte. J'en veux 20. Descends, remontez. Maintenant, je veux que le dos soit bien plat. Donc, je mets les coudes vraiment en arrière. Et je veux que mes genoux n'aillent pas à l'intérieur. Ils vont vers l'extérieur. Vous le sentez? J'aime bien cet exercice. Vous aussi? Si vous avez un exercice que vous voulez que je fasse dans les vidéos ou que vous voulez partager, vous êtes les bienvenus. Laissez-moi les commentaires. 5 de plus. 4, 3, 2 et 1. On reste là. Tout petit mouvement, tout petit mouvement. C'est bon. On inspire, on expire. On redescend. Tout petit mouvement. On écarte bien les genoux sur les côtés. Il fait super chaud ici. Et on redescend. On est en Angleterre au mois de juillet et il fait 28 degrés. Du jamais vu. Vraiment une première fois. Il faut toujours une première fois pour tout. Hein. Et je remonte, je contracte et je reviens. Super, maintenant on se retrouve sur le mat et je vais travailler vos abdominaux, vos bras et tout le reste. A tout de suite. Allez, on est au sol, on est parti. C'est mon exercice préféré. Oui, je sais, je vous entends. Un de plus. Je les aime tous. On va travailler la taille de guêpe. Donc, je vais me mettre sur le coude. Je vais plier les genoux. Je vais monter le bassin, la main en l'air. Et on y va pour 10. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais étirer la jambe. Je la descends au sol, je la monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je reviens. Maintenant, je vais me mettre au niveau des coudes. Je vais faire un plank. Et voilà. 30 secondes. On est parti. Alors, vous faites attention de ne pas avoir les fessiers trop en haut. Ou surtout pas en bas, parce que là, c'est vraiment des problèmes de dos. On reste dans le bon alignment. Et on va pousser au niveau des coudes. 10 de plus. On contracte les abdominaux, surtout dans cette position. Et voilà. On est reparti, on le refait. Sur le coude, je plie les genoux. La main en l'air au ciel. Et on y va, le bassin en haut. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'étire la jambe. Je la mets au sol, je la monte au ciel. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je redescends. On est reparti. On se met là pendant 30 secondes. On est parti. Allez. Maintenant, si vous venez juste d'avoir un bébé, vous savez que cet exercice, je ne le recommande pas. Vous pouvez vous mettre sur les genoux et juste faire ça, c'est très bien. Vous poussez au niveau des coudes, vraiment. 10 de plus. Ouh ! On le sent, la maison ? C'est votre préféré ? Et voilà. On doit le faire de l'autre côté. C'est parti ! On va de l'autre côté, on se met sur le coude, on plie les genoux, on monte. La main au ciel et le bassin en haut. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste en haut, on étire la jambe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On redescend. On le fait de ce côté-ci maintenant. On est parti, on étire les jambes sur les genoux. On met les genoux en haut et on pousse au niveau des coudes. Ah, 30 secondes. J'ai toujours l'impression que quand je fais 30 secondes, quand je donne le cours, ça va vite. Mais quand c'est moi qui le fais, c'est beaucoup plus long. Je sais pas pourquoi. Vous pensez la même chose à la maison ou 10 de plus? Allez, 10 secondes, 10 secondes. C'est tout petit, 10 secondes, non? Oh! On contracte les abdominaux. Ah, et on redescend. Ah, on en fait un autre. J'ai un petit problème avec mon microphone. Et voilà. C'est parti. On plie les genoux. La main au ciel. On remonte. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On étire la jambe. On la monte. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. On revient et c'est parti pour le plank. Encore une fois, si vous pensez que c'est trop pour vous, mettez-vous sur les genoux, montez les pieds ici, on contracte les abdominaux. C'est la même chose. Je suis obligée de le faire comme ça. Ah ouais, je suis filmée. Sinon, je promets, je le ferai sur les genoux. Et c'est fini. Allez, on va faire le bridge maintenant. Je vais mettre les pieds au même niveau que les hanches, les mains sur les côtés. Je vais remonter les fessiers et le bassin. Et je vais monter le bassin au ciel et faire des tout petits mouvements. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Maintenant, on descend, on monte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste en haut, tout petit, tout petit. Je contracte les abdominaux même dans cette position. On contracte les fessiers. Vous devez en fait vraiment le sentir au niveau des fessiers. Vous allez le sentir au niveau des fessiers après cette séance, je vous promets. Et on redescend. Maintenant, à la maison, si vous avez un oreiller, un coussin ou une balle, on va s'en servir pour la mettre entre les genoux. J'ai une balle. On va la mettre entre les genoux. Je vais être sur la pointe des pieds maintenant. Je vais remonter et on y va. On va à l'intérieur. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. On inspire, on expire. Et encore. On garde le bassin assez haut. Et encore. Vous le sentez? Allez, 10 de plus. Et on sourit parce qu'on est toujours plus belle quand on sourit. Yeah! Restez ici et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on reste en haut, allez, à l'intérieur. Seulement 10, je vous promets. Je vous promets. Et on descend tout doucement. On ramène les genoux à la poitrine et des tout petits cercles.
Vous voyez, je vous avais promis, c'était pas si terrible. Et de l'autre côté. Ah. Et on remonte. On étire la colonne vertébrale. On place le ballon sur le côté. Pardon. On étire. Et maintenant, je vais mettre les mains derrière. Je vais faire les triceps. Je vais remonter le bassin, la jambe en l'air. Je vais plier le genou et pousser le genou. Oui, on va commencer à plier les coudes et on remonte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste là pour 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On étire la jambe. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On redescend. On change de jambe. On fait la même chose. On pousse le genou, on remonte. C'est parti, on plie. J'en veux 10. Est-ce qu'on le sent à la maison? Oui? Oh, moi, je le sens vraiment. Maintenant, on attend pour 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On étire la jambe et on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on redescend. Oh! Oui, je viens juste de faire la même vidéo, mais en anglais. Donc, je sens vraiment au niveau des triceps. Allez, on étire la colonne vertébrale. On va redescendre tout doucement. On étire une jambe. Et on va allonger les ischio-jambiers ici. On ramène la jambe. Oh. On inspire. On expire. Et on change de jambe. Quand même le meilleur moment, hein, les étirements. Et je change de jambe, je remonte au niveau des omoplates et on y va pour 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On inspire, on expire, on inspire, on expire. Et encore. Là, naturellement, je travaille les étirements, mais je travaille également les abdominaux. Ouh! Et encore. On remonte, on étire, on revient. On étire la colonne vertébrale. On ouvre la poitrine. Tada! On vient de faire la semaine 4. Oui! Bien joué les filles. Dites-moi maintenant, c'était simple? C'était facile? Je trouve que c'était un petit peu plus difficile, mais vous avez très bien fait. Maintenant, vous savez ce que vous devez faire. Vous répétez cette séance tous les jours. Et je vous vois dans la semaine 5. À bientôt! Mouah!